se concentrer sur des questions d'intérêt pour la population des Caraïbes. Faut citer les affaires de reconstruction pays. Et puis, faut nous capables d'appliquer l'homme dans affaires de construction et on se de l'autre règle pour assurer la sécurité bien à nous dans un Caraïbes. Passer instruction à toute institution qui concerne et conseil de recommandation à proposer que nous demandons pour le faire pour nous-mêmes nos affaires construction respectées. Nous voulons parler de conseil de commerce et de développement économique, COPED, et conseil finance et planification, COFAP, et conseil développement humain et social, COSOP. Chaque conseil de réponse à des as naturels, nous approuvons un modèle. C'est un premier type pour nous construire une stratégie sur un genre de plan d'évacuation. Pour nous capables de mettre sous pied tellement de nous à travailler avec l'entité qui est le ministère intérieur qui est responsable des as naturels. Nous encourageons également l'État membre pour être capable organiser TETIO pour nous capables de joindre l'argent fonds vert. Parce que dans pile possibilité de fonds vert, pour payer nos jeunes gars blancs, car le financement nous lutte contre le changement climatique. Nous reconnaissons que tout le monde, pour les cas comme nous, tout est en mode, il a fait face à une augmentation de actes de violence et de criminalité. Ce fléau qui va nous donner le problème. Et ni secteur société civile à tout. Nous mandatons le Conseil pour sécurité nationale et application loi et agence qui travaille dans l'application de la politique de la commune pour criminalité et sécurité. Pour créer un groupe de travail intra-régional qui a des experts dans le domaine ça. Avec dit un groupe de travail qui a des experts dans tout pays qui participent là-dedans. Le travail ça, nous l'avons pour formuler, pour vous proposer une série de solutions innovantes. Ma chef d'État et ma chef de gouvernement, nous a fait lutte
kote kriminaliti ak virus. Mè sa fè yon kote teroris la. Nou propose yon strategi e nou pou an yè anè 2018 la nou. Chef l'État avec chef gouvernement, vous approuvez décision commission régionale service juridique et judiciaire pour nommer juge Abiyam Sambez dans poste président de la Cour caribéenne de justice. Mais nous t'exprimons profonde gratitude par le président qui a l'air, qui se juge de nous bien. Nous saluons finalisation, adoption du nouvel accord multilatéral sous service aérien CARICOM. Qui va suivre, c'est Massa en anglais. Et nous exhortons tout État membre pour prendre une mesure immédiate pour nous capables de mettre service à en application. Et
Déjà, on a ici, nous voulons la faire expression comme on l'a vu. Avec la logique, par exemple. La logique, dans cette formation, et dans l'état de la vie. Et pour faire un petit dialogue à le faire pratique dans la logique. Ça, il a fait déjà. Et dans chaque poste, la même, qui c'est l'université de l'État d'Haïti, qui c'est l'université de l'Ico, et tout dialogue payé pour faire à l'aide. Les gens avec l'élève du lycée, ils vont prendre toute somme de faire à l'aide. C'est ça, Marie. Maintenant, nous disons que quand on signe un contrat pour service avec aux institutions d'enseignement supérieur. Et ma part de vous dire, quand on a parlé là, on a utilisé plus passé 200 institutions d'enseignement supérieur. Parmi nous, 102 de l'État de Colère. Et le réseau qu'il y a, il y a 70%. Mission de part, c'est pour nous déplacer l'université de l'État. Mais pour tout ce que nous avons appris à plusieurs reprises avec l'innovation, côté des parts de l'autre monde, ça doit avoir dans le cadre de la loi, c'est l'université avec l'université de l'État. L'université de l'État, c'est l'unité de la machine, n'est-ce pas la machine en sol. Pourquoi c'est que la carrière va être vide aussi, peut passer au combat. La probabilité, et pour habiter elle-même, la même unité passée par là, lui parle de nous pour la résurrection. Donc, parle de la résurrection, la vie ou du tout. Non, non, le problème, la vie va plutôt poser des problèmes. Le passé, le contrat, le passé, le contrat, le signe pas, subventionné. Et, les dernières émotions, on a parlé de vérité, au retour à l'ancien. Ancienne. Donc, là, c'est comme le fait. Et vous pensez que loi ça, projet loi ça, au contraire, lui renforcer l'autonomie et l'indépendance de l'université. D'ailleurs, souviens-lui à ce que c'est vrai et vous. Oui, maintenant, pour vous, nous avons seulement continué pour l'option en fait. Et ce sont les salles de mon travail. C'est pas pour nous d'appeler. On va aller sur les deux. Premier étape 2, en conformité. L'éducation est visible. Et du coup, c'est pour nous qui nous avons l'enfant du texte. L'enfant du texte. L'enfant du texte. L'enfant du texte. Merci de vous l'université à travers véritablement chambre députée à cap mettre des balises pour nous capable résoudre problème job là équivalent licence nous licence cap livrer au rabais dans certaines des universités de monde qui gagne nouveau licence cap faire coup dans l'université à des qui gagne nouveau maîtrise je dis à cap recteur de l'université donc cette loi résout tous ces problèmes. Et encore une fois, nous allons nous remercier député parce que ça fait 100 ans par une loi qui votait sur l'enseignement supérieur en Haïti. Il faut dire que pas de subvention dans le texte de loi nous votons. Il parlait de contrat d'association. Tant pour deux universités d'enseignement supérieur qui ont décidé aussi un contrat ensemble, un contrat pour la recherche scientifique par exemple. L'université de Michigan qui a signé à
avec l'université Kiskeya, l'université d'État d'Haïti pour des contrats, par exemple, d'associations qui permettent que vous faire des recherches communes. Donc, par ça, c'est une interprétation. Les femmes connaissent tout. Dans toute assemblée, il y a deux positions. Il y a deux positions qui chita sous des idéologies politiques. Il y a deux positions qui chita par rapport à des positionnements politiques. Il y a des positions qui chita uniquement. Donc, nous pensons que je dis à son jour historique pour le pays d'Haïti. Une loi qui votait journée aujourd'hui là, et c'est une loi historique. Historique pour qui raison? Puisque dans les annales de l'histoire et, d'Haïti, un pays qui est indépendant en 1804, il faut savoir que nous sommes près de deux décennies, soit en 1823, pour te gagner un premier embryon en matière d'établissement d'enseignement supérieur. Nous avons fait allusion avec Académie d'Haïti. Et c'est à partir de l'Académie ça que les premières grandes écoles, et nous avons l'école de médecine, l'école de droit et l'école d'agronomie qui vient à transformer. Mais après, dans le temps, comme faculté de médecine, faculté d'agronomie. Après 1823, c'est en 1920, pendant l'occupation américaine, entre 1915 et 1934, que gagne création première institution universitaire d'un pays à travers la création de l'Université d'Haïti. Et maintenant, de 1920 en 1944, sous président Élie Lescot, pral gagné un autre décret qui réorganisait l'Université d'Haïti. Et de 1944, c'est en 1960, avec le régime des Duvaliers, que pral créé l'Université d'État d'Haïti. Mais la création de l'Université d'État d'Haïti était faite son base politique, son base amendé, qui pral garder bien évidemment le concept, l'appellation université d'État, mais qui pral rendre université autonome. Donc, cela dit, votre journée jeudi en historique au niveau de la Chambre des députés, puisque nous constater que prise en charge en termes de structuration, en termes d'encadrement de enseignement supérieur en Haïti, son bagage qui était toujours laissé à désirer. Ce qui fait que en 2018, malheureusement, nous avons enseignement supérieur en Haïti, mais c'est un enseignement supérieur qui est à la dérive, un enseignement supérieur qui n'est pas régulé malheureusement. Dans chaque coin de rue, on joigne université et jeudi, tout le monde, peu importe que les détenteurs d'une licence ou en maîtrise, parfois, nous n'avons pas même détenteur d'une licence, les professeurs à l'université. Donc, il a fallu, par rapport à cette dérive, par rapport à ces manquements, que, une fois pour toutes, gagner une loi organique qui régulait fonctionnement enseignement supérieur en Haïti, et à travers cette loi justement les coller avec un ensemble de standards. C'est quoi l'enseignement supérieur, puisque nous pas inventé l'enseignement supérieur? Donc bien tout un ensemble de concepts, bien tout un ensemble de conditions pour permettre que l'enseignement supérieur les fait dans l'ordre justement, et c'est ça loi ça a traité jeudi en là. Voilà pourquoi nous dit 50e législature, les poser un acte important dans la mesure où il y avait un besoin urgent justement que nous doter enseignement supérieur d'une loi organique pour permettre une fois pour toutes secteur ça à réguler, mais pour aider à ce que Haïti dispose à la fois de masse critique, et nous connaissons l'enseignement supérieur, c'est un moteur, élément de développement de n'importe qui société. Commission planification et commission intérieure en Sénat, rencontré avec les deux ministres, le ministre de la Planification, Tavuel Florent, et le ministre de l'Intérieur, et que nous gagnons là.
nous discuter avec eux à partir de l'argumentation que FEDAM lui-même a fait hier et l'interprétation qu'il a fait tout de AET septembre 2017 et sous question qui est-ce qui est capable de déléguer ou pas déléguer et ouvrage, maîtrise d'ouvrage. Et le nous garder en ce qui a trait à l'interprétation de la loi, pas de rien, on les entend divergence. C'est planification, les capables de déléguer, mais lui-même tout, les capables et qui ont des pouvoirs pour les gagner maîtrise d'ouvrage. Et cependant, sur l'opérationnalisation, permettre que le projet aille plus vite et nous avons des possibilités pour le ministère de planification, le ministère intérieur et la commission de déchets de capacité pour nous voir comment aller plus vite et permettre que nous tenions stabilité politique, tranquillité que l'institution a, sérénité que l'institution a besoin pour le travail. Donc c'est discussion ça et nous sommes fait que nous présentons là, collègue Sorel doit ajouter et quelques points et après les deux ministres capables d'intervenir pour nous voir après pour nous capables d'avancer. Pour moi, le problème n'a résolu déjà. Pour qui ça, parce que qui dégageait avec Finamière et compréhension que nous dégageons avec le ministère planification, ministre planification et ministre intérieur, c'était juste un problème de communication. Et dans ce sens, ça, nous déjà mettons d'accord pour le 17 mars, dans une rencontre qui fait pour nous dire DG contre Matokaba et ensemble pour nous comprendre comment nous avons une solution pour solutionner et pour nous opérationnaliser.